Begin after eight taps. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo à poil dans les Landes. Une fois n'est pas coutume, puisque c'est la deuxième, je vais retourner dans les Landes d'Éthen avec mon petit warg. On va voir si 20h42, puisqu'il est 20h42 précisément, est une bonne heure pour ce coup en PVP dans les Landes. Mystère. Je sais plus trop si les horaires sont valables ou pas. Le PVP, c'est quand même un endroit où il faut y aller aux bonnes heures, sinon c'est méga chiant. Donc j'espère qu'il va y avoir matière à faire une vidéo, et pas juste moi qui tourne en rond et qui fait pipi sur des limaces. On va voir ça très très vite, je sais même plus où je me reconnecte. Oh, sûrement au pied de gramme. Hein. Voilà, pied de gramme. On va prendre les petites quêtes. C'est un rituel qu'il vaut mieux faire à chaque fois, On a toujours besoin d'un petit peu de citations. Et le nombre maximum de quêtes est atteint. Ah, ça c'est relou. Qu'est-ce que je ne vais jamais faire Qu'est-ce que je vais jamais faire Ouais, Norbog. On s'en fout, on n'a pas le temps de les éclater. Alors que 20 soldats démons froids, ça risque d'arriver plus souvent. On pense bien à lancer nos petits bœufs. On dirait qu'il y a du monstre. Faut pas que j'oublie de passer à Dar pour rendre les quêtes avec les jetons. Ah ouais, on dirait qu'il y a pas mal de monstres. Alors, il y a pas mal de monstres, mais il y a pas mal de héros. Ah, ouais, alors c'est sûr que si le combat s'annonce au pied de gramme, ça va pas être géant. Il y a du méné. Il y a du chasseur, mais je suis pas convaincu qu'il va avoir le temps de me pister parce qu'il occupait à tirer partout. Il y a du maître du savoir, du gardien des runes. Oh, il doit bien avoir une sentie dans le tas, voilà, une sentie. Une deuxième sentie. Un maître du savoir qui vit sous anti-stun, c'est clairement mon pire ennemi. Ouais. Un chasseur qui m'a pisté. On va lui faire son petit plaisir. Ah, il y a du monstre qui charge. On va essayer. On va essayer de les aider. Et je préfère me faire péter en faisant quelque chose que tourner en rond au pied de gramme. Entre nous, c'est quand même plus sympa. On va voir comment ça se passe. Le problème, c'est qu'en général, quand les héros se font défoncer au pied de gramme, bah, ils se replient. Ça veut dire qu'il y a trop de monstres pour eux. Et qu'il y aura tout le temps trop de monstres pour eux, et on les voit plus revenir.
Falzulin, ouais non, 30 000. 30 000 non. Hein. Aranaët, premier maréchal, a seulement 17 000. Donc, tu dois être bien craquant, toi, niveau dégâts physiques. Tu dois être bien, bien craquant. Mon avis, faut pas te taquiner trop longtemps. Ah oui, c'est pas compliqué. Si peu de vie, ça veut dire pas booster en moral max, et ça veut dire des essences de trucs qui piquent, quoi. Grosso modo. Quelle jolie skin d'araignée. C'est bien. C'est bien, c'est bien. Éviter de se faire avoir par les effets de zone. Tiens, je vais te rendre l'appareil. Tac, voilà. Ça, tu vas pouvoir passer en fufu. Voilà. On a tous les mêmes réactions, c'est excellent. Ouais, je sais pas ce que ça va donner comme vidéo, c'est clairement pas ma situation favorite. Et j'ai pas une classe qui peut faire grand chose, je peux pas healer les autres, je peux pas foncer dans le tas en espérant entraîner avec moi mes amis fougueux, parce que je ne peux pas résister. Et les héros sont pas assez bêtes pour s'éloigner de ce que j'appelle la boule. Et la boule, les héros sont relativement bien en rond et assez intelligents pour rester à distance les uns des autres. Ah oui, t'as raison, on manquait de héros. Ah, trop embêtant de me traquer comme ça, rendu le track. C'est tellement terrible. Ceci dit, il va falloir que je sois plus attentif aux indications, vous avez l'impression qu'on vous suit. Et sinon, je vais pas faire de vos os. Eh oui, c'est le souci des héros qui font pas d'erreur. Là, pour tomber la boule devant nous, il faudrait des héros stupides, qui avancent trop loin, qui s'éparpillent, qui laissent le maître du sabord tout seul, ou le mener tout seul. Mais le problème, c'est que dans les Landes, il n'y a plus vraiment de joueurs bébêtes. Ils savent tous extrêmement bien jouer leur rôle. Aranaët, il a dit à moi. Pas de soucis. Il s'est mis en fufu juste quand j'arrivais. Ah non, pas planté. Ah ouais, non, planté en PVP. Allez, premier plantage de la soirée. Et voilà, de retour après ce sympathique plantage en plein devant les héros. Je vais remettre le son.
Et le souci, c'est que comme il y a des monstres, et comme il y a des héros, et comme les monstres n'arrivent pas à repousser les héros, ils vont sûrement rester là une bonne partie de la soirée. Et oui, et je vais payer très chèrement mon audace. Speed. Est-ce que je peux speeder avant de mourir? Ouais, quand même, ouais. Quand même, quand même. C'est chaud de popper au milieu des héros. Hein. Putain. Quand on sait ce qui colle comme dot. Vous voyez, c'est là que le cœur bat, quoi. On me suit. Mais c'est bien ça, il faut me suivre. C'est important de me suivre. Alors, pas deux fois, puisqu'il faut que je recaste mon fufu au milieu, donc vous gâchez votre hack. Ça doit être toi là. Ouais, ça doit être toi, je pense. On a mordu une fesse. Ça sera peut-être la seule la seule action de gloire de la soirée. On a réussi à mordre une paire de fesses. Encore. Oh putain, ça doit être chiant. Ranaette, change de cible, sois gentil. Ah non, non, hey. Deuxième plantage. Alors, à ceux qui se poseraient éventuellement la question, mon ordinateur est très performant, il n'y a aucun souci avec ma connexion internet. Mais c'est à peu près votre cas à tous, hein. En ce moment, c'est plantage sur plantage sur plantage. Et re après le deuxième plantage, où bien évidemment quelqu'un m'a tué pendant que j'étais pas là. On va retenter une troisième sortie, et on va dire qu'on va aller jusqu'au troisième plantage. Ça ressemble un peu à ça. Eh ben voilà, le temps que je sorte, plantage. Voilà mes chers amis qui conclut cette magnifique vidéo de sortie dans les Landes numéro 2. que vous dire, que vous dire. Turbine, il va vraiment falloir que tu fasses quelque chose parce que ton jeu, formidable au demeurant, mystérieusement, depuis un mois et demi, tu le rends injouable. Alors, je sais pas si t'économises sur la connectique, ou si t'économises sur les infrastructures, ou si t'as pas assez de chinois qui pédalent dans tes caves, mais t'as un vrai souci de stabilité des serveurs, et il serait temps que tu le corriges avant que tout le monde se barre, parce que ce genre de soirée, avec plantage à répétition, c'est juste saoulant. C'est quand même hallucinant. Ça se sent à un point incroyable. Il y a 2 mois, à peu près, ce jeu ne plantait jamais. Mais jamais. Dans mon cas, par exemple, il fallait vraiment que j'ai énormément de choses qui tournent sur la machine. Et en général, c'est autre chose qui faisait que le jeu plantait. Depuis 2 mois, que je descende de cheval, que je rentre, que je sorte d'instance, que je me promène, ou visiblement que j'aille en PVP,
plantage. En informatique, quand on constate quelque chose qui se reproduit comme ça de manière répétée sur une courte période, c'est qu'il y a un souci. Quand vous montez un ordinateur, vous changez une pièce et ça marche plus, hein, 1 plus 1 égale 2, voilà, vous avez fait une connerie, faut vite réparer. Turbine n'est pas idiot, Turbine a des crash reports, donc Turbine sait très bien combien de gens disparaissent du jeu comme ça, par magie. Putain, je suis pas mort, c'est de la magie, quoi. J'arrive pas à savoir s'ils s'en foutent comme de l'an 40 ou pas. Mais c'est l'impression que ça donne, puisqu'ils ne parlent absolument pas de ces lags. Politique de l'autruche, peut-être, je ne sais pas. Ou alors ils savent pas d'où ça vient, ils peuvent pas l'avouer parce que ça fait pas pro de pas savoir d'où ça vient. Mais au bout de 2 mois, voilà, heureusement que moi j'ai du temps pour jouer. Et donc forcément du temps pour me connecter. Je me mets à la place de quelqu'un qui, ce soir par exemple, aurait une heure de temps devant lui. Voilà, avant d'aller se coucher parce que demain il a école. Ben moi, je joue depuis une demi-heure, à peu près. Ben, j'ai déjà planté 3 fois, donc je suis mort 3 fois, je me suis reconnecté 3 fois. C'est pas vraiment un souvenir plaisant. Et je suis surpris de constater ça, on va dire, à ce point en PVP. Tiens, là quand même, les 3 plantages, à chaque fois que j'arrive en face des héros, tiens, ils sont quoi en face? Ils sont pas 40, hein. Ils sont quoi? Ils sont une dizaine, une douzaine. Ça veut dire que 12 héros me font planter. Ouais, admettons. Alors allez, je suis Mazo, donc on va retenter une fois encore. Un peu à l'écart. Tu cries, c'est bien, il faut crier. Bon, t'es full vite, hein, méné, mais... Est-ce qu'au moins quelqu'un a enchaîné sur toi avec moi? Non. Dommage. Tout seul, j'aurais pas tes 28 000 points de vie en méné. Ça, c'est sûr. Ah, il y a un autre boire qui est passé sur toi, ouais. C'est con, quand on ne soit pas arrivé à 2, on aurait peut-être eu une chance de faire quelque chose. J'espère au moins que je t'ai sauvé la vie. Parce que moi par contre, je vais payer de la mienne. Ouais. Eh ben j'espère que je t'ai sauvé le poil. Si les monstres arrivaient à sortir d'ici pour aller faire autre chose, qu'est-ce que ça serait chouette. Les héros sont bien moins puissants, je trouve, en situation mobile. C'est-à-dire que très souvent, quand vous croisez un groupe de héros en état de supériorité, c'est qu'il a trouvé un coin où il est gentiment posé et où il arrive à endiguer tout ce qui lui tombe sur le paletot. Dès qu'il commence à se déplacer, je sais pas ce qui leur prend, mais il commence à partir un peu à droite, un peu à gauche, il y a des mecs qui montent pas à cheval à temps. Voilà, ils sont moins organisés quand ils doivent se déplacer sur la map, et par contre, quand ils sont comme là, en état de siège en fait, c'est super dur d'arriver à le clasher. Oh putain, Il faut que je me tire, ah, le piège était super bien posé. Le piège était super bien posé. Je n'ai rien vu. Bon. Par contre...
Ce que dit Camus est tout à fait vrai. On va se tirer d'ici. Bah, c'est un pur cas de conscience, quoi. Oui, bien sûr qu'il faut se barrer d'ici pour arrêter de leur offrir l'opportunité de rester sur place. Mais si tous les héros sont là, se barrer d'ici veut dire rien faire, quoi. Enfin, moi, en tout cas, en solo, je vais pas pouvoir faire grand-chose. Hein. Je vais pousser la vidéo jusqu'à 9h15. En gros. Aspida a vaincu. Tu viens comme ça, Adar, farmer des trucs, mais c'est pas évident hein, de faire ce que tu fais. On va te débuffer tout ce qu'on sait. Tu te régénères bien, on sait. On sait. Curieux. Alors oui, c'est une sentie, ok, mais quand même quoi. Je veux dire, Dar, tu croises souvent du monde. Hein. Faut être culotté pour y venir en solo. Peut-être quelqu'un qui se disait que tout le monde devait être coincé à Gram. Ce qui est... Ce qui était pas si faux que ça. À mon avis, ouais, l'avant-poste. C'est pas demain la veille qu'on va le faire. Ça fera toujours quelques petits points d'infamie, c'est un peu miteux. Je suis vraiment navré qu'il n'y ait rien de plus à montrer. Ils sont un peu grands, mes fenêtres de quête. Un peu plus gérables en tout petit. Du coup, il y a peu de chances que la sentie revienne. Mais il avait pris quoi sur lui? Maître Fouet. Ah, ils font peut-être mal. Ils font peut-être suffisamment mal. J'ai pas l'impression que c'est moi qui lui ai fait tous ces dégâts-là. Ah, m'étonnerait. Bon, les orques ont repop, ça veut dire que s'il veut passer, je devrais à nouveau voir les logs de combat. Bah écoutez, pour pas que la vidéo soit vraiment, vraiment merdique, je vais en profiter pour vous emmener dans les cavernes de Fror. Il n'y a pas mieux à faire. Caverne de Fror. J'espère que... Le serveur sur lequel elle est, c'est pas un Spectrum ou un... une telle Celeron. Vous voyez comment ça se construit. C'est sur plusieurs étages. Je vais lâcher une traque pour vérifier qu'il n'y a pas... Non, c'est bon. Pas d'ennemis. Hyper propice aux embuscades, aux rencontres fortuites. Sauf qu'en fait, comme c'est dangereux, c'est un chemin qui n'est pas du tout utilisé. Hop. Nous voilà en bas. Vous voyez que si par exemple je choisis de ressortir par le... Non, c'est pas par là.
Par là, c'est froid en fait, ouais. Il me semble. Maintenant, ils ont tous les AP, je crois. Sauf un. Ah, le toit, ma grande. J'arrive pas à placer une comp. Je n'arrive pas à placer une seule comp. Regardez-moi ça. Et je tourne en 30 images par seconde. Hein, donc ma qualité d'image est très bien. C'est pas ma cam qui plante. C'est sans doute même ça le pire, quoi. C'est pas du tout ma cam qui plante. GG Falzuline. Enfin GG. Oui quand même, je t'aime bien. Tout le monde te poursuit. Ils sont tous full vie. Ça. Putain, c'est. Ça rame, mais c'est. C'est injouable. Les fois où j'ai connu. Des trucs aussi injouables que ça. On devait être 40 à 60 sur la map. 40 à 60 sur la map, ça pouvait ramer autant que ça. À l'époque où j'avais mon PC de merde. Mon vieux PC tout pourri avec ma carte AMD à la con. J'ai un PC du feu de Dieu, une connect de taré. On est 20 et ça rame. Eh ben, c'est moche, c'est moche. Ça y est, tout le monde est là. Pourquoi ça rame comme ça, quoi? Pourquoi ça rame comme ça? Est-ce que mes comptes pourraient partir? Est-ce que mes comptes pourraient partir? Ouais, on peut rien faire. Regardez, hop, caché. C'était caché. Au moins vous trimballez à deux, quoi. C'est déjà bien mieux que. Que les autres Gugus. Enfin à deux. Oui, à deux. Si, il y a un signe. On va dire trois.
Je me demande si ça se démonte le pet de Capi facilement ou pas. Ben non, partez pas. On est à 2 contre 2. On est à 2 contre 2, partez pas. Mais non. Vous cherchez quoi? Un mec tout seul, c'est tout. Et je vais essayer. Je vais voir si Chouchou, il se pète bien. Ouais, Chouchou, il se pète bien. À toi maintenant. Bon, le Capi, si je reste bien à distance. Ça peut le faire. Bilinda, elle se cible elle-même. Il fait pas si mal que ça le Capi en fait. Il fait pas si mal que ça. Alors le Méné par contre il se soigne bien bien quoi. On va lui péter. On va lui péter son pet. Ah non, meurs, saleté. Et là, vous vous cachez derrière le rocher. Et vous vous enfuyez. Non mais... Comment dire? On aura du bol si on arrive à vous avoir. Vous avez plein de points de vie partout. Vous êtes méga blindé. Toi, t'es lieutenant. Je sais pas. Allez, non. Tout ça parce qu'on te tue ton figurant. Bon, je vais essayer de prendre le Capi. Ce qui va se passer, les mecs, c'est que plutôt que de faire un combat réglo, à un moment, il y a 2 gars en plus qui vont passer dans le coin, à vous ou à nous. Et il y a un des 2 duos qui va se faire péter. Ok. Voilà, c'est vous qui avez gagné. Et 3e plantage. Voilà, j'avais dit jusqu'au 3e, on y est. Eh ben mes petits cadavres... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? N'allez pas en PVP. C'est des serveurs complètement moisis. C'est injouable quand il y a 5 joueurs. Je sais pas. Je sais même pas si je vais y retourner, si je ferai d'autres vidéos dans les Landes. Ça me semble tellement pourri. Faut que je vois. Franchement, il faut que je me pose la question. C'est pas grave, mes petits cadavres. C'est pas grave. On va aller jouer les gentils héros qui brillent. Comme ça, il y aura encore plus de lumière en Terre du Milieu. Allez, ciao mes cadavres.